Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. J'ai deux personnes qui vont nous rejoindre. La première, c'est... Miro! Bienvenue, Miro! Et la deuxième, c'est... Sophie! Sophie qui était en train de pleurer parce qu'elle voulait faire quelque chose que... Et moi, j'étais contre. Mais c'est pas grave. Allez, maintenant, on va commencer par Sophie. Tu es prête? Réponds. Oui. Oui. On commence toujours par quoi? Vas-y, toi. Par quoi on commence? L'observation. De quoi? De l'image. Super. Qu'est-ce que vous voyez, les filles? Si, on lève le doigt pour répondre. Un bateau. C'est un bateau. Et toi, qu'est-ce que tu vois encore? La pêche. Mais on ne dit pas la pêche. Ce sont... Oui, on réfléchit un peu. La canne à pêche. C'est la canne à pêche, très bien. Donc, ces deux gars... C'est pas grave. C'est pas grave, ma belle. Tu es en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'on voit là? Deux garçons. Qu'est-ce qu'ils font? De la pêche. De la pêche. Et qu'est-ce qu'ils pêchent? Des poissons. Très bien, très bien. Excellent, les champions. Et là, on va commencer par découvrir le son d'aujourd'hui. C'est ch. De quoi se compose le son ch? De la lettre C plus la lettre H. C et H donnent quoi? Le son ch. Pardon. Et on trouve ch dans la pêche. Où est-ce qu'on trouve encore ch dans le... Chat. Et quoi encore dans cheval? Et quelque chose que vous mangez et qui a la couleur marron, c'est quoi? C'est le chocolat. Très bien. Lorsqu'on est sale, on fait une douche. Très bien. Et qu'est-ce qui fait zz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 
La pêche. La pêche. La vache. La vache. Le cheval. Le cheval. Un drap déchiré. Un drap déchiré. Comment est le drap? Est déchiré. Le drap est déchiré. Très bien. Du chocolat. Du chocolat. Une douche. Une douche. La mouche. La mouche. Ne touche pas à ma balle. Ne touche pas à ma balle. Dépêche-toi. Je suis prêt. Dépêche-toi. Je suis prêt. Très bien. La mouche vole. La mouche vole. Que fait la mouche? Vole. Où est-ce qu'elle vole la mouche? Dans le ciel. Très bien. René, as-tu pris une douche? René, as-tu pris une douche? Qu'est-ce qu'on demande à René ici? On lui demande s'il a pris une douche. Par quoi il va répondre à votre avis? Oui. Oui. Oui, très bien. Et là, c'est écrit oui. Donc, est-ce que René a déjà fait la douche? Oui. Très bien. René a pris trop de chocolat. René a pris trop de chocolat. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Mal aux dents. Et s'il a mal aux dents, chez qui il va partir? Chez le dentiste. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on mange du chocolat? Brosser les dents. Très bien. Il faut toujours brosser les dents si on veut garder nos dents propres. Et jolie. Et jolie. Papa ne va pas à la pêche. Papa ne va pas à la pêche. Est-ce que le papa est parti à la pêche? Non. Non, il n'est pas parti à la pêche. Pêche. Très bien. Là, ne crache pas. Ne crache pas. Est-ce qu'il faut cracher par terre? Non. Dans un mouchoir. Très bien, ou bien dans un papier mouchoir, il faut jamais cracher, d'accord? Par terre, c'est pas gentil, c'est impoli. Tu craches toi maintenant, d'accord? Mina a attaché la chèvre et la vache. Répétez. Mina a attaché la chèvre et la vache. À votre avis, pourquoi elle a attaché la chèvre et la vache? S'empêcher, excellent, pour ne pas s'échapper, répète, pour ne pas s'échapper. Pour ne pas s'échapper de la ferme. Bravo ma petite chérie. Pour ne pas s'échapper de la ferme. Très bien. Papa achète du tabac. Papa achète du tabac. Pourquoi faire à votre avis? Pourquoi il achète pour? Pour fumer. Oh mon Dieu, est-ce que c'est bien de fumer? Non. Ni pour les petits, ni pour les grands aussi. D'accord, les papa enfants. Papa fume en plus. En plus, il ne doit pas fumer. D'accord. Oui, tu as raison. Mina, dépêche-toi. Mina, dépêche-toi. Il est tard. Il est tard. Il ne faut pas crier tellement parce que là, je commence à avoir mal aux oreilles, les filles. D'accord. Char. Char. Regardez bien comment c'est écrit char. Char. Cher. Cher. Choir. Choir. On va voir ces syllabes ici dans ces phrases-là. D'accord? As-tu un mouchoir? As-tu un mouchoir? As-tu un mouchoir? As-tu un mouchoir? Mouche-toi. Mouche-toi. Donc là, il y a une personne qui a posé une question. D'accord? Elle a demandé à l'autre personne de... Est-ce qu'elle a un... mouchoir. Pourquoi faire? Pour moucher le nez. Voilà, très bien. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle est comment? Quand est-ce qu'on se mouche le... Ah d'accord, Marwa vient de se moucher le nez. Pourquoi tu te mouches le nez? Parce que je suis malade. Voilà, on se mouche le nez lorsqu'on est malade, lorsqu'on a chopé un rhume. Donc, on continue. Le chat a vu la souris. Répétez. Le chat a vu la souris. Très bien. Le chat est caché sous le lit. Le chat est caché sous le lit. Où
avait caché le chat? Sous le lit. Très bien. Mina cherche sa balle. Mina cherche sa balle. Qu'est-ce qu'elle cherche, Mina? Sa balle. Mina cherche sa balle. Charles a donné des caramels à Michel. Charles a donné des caramels à Michel. Qu'est-ce que Charles a donné à Michel? Des caramels. Caramels. Très bien. À qui Charles a donné des caramels? À Michel. Bravo les championnes. Et si Michel est gentil, par quoi il va répondre? Merci. Très bien. Lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, on doit dire merci. Très bien. Et l'autre, il doit dire de rien. Très bien. Merci Charles. Donc Michel a répondu merci Charles. Donc là, on termine. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec vous seulement cette page-là. Et Inch'Allah, demain, on va travailler la deuxième page. On va écrire, on va s'entraîner pour écrire ch, che, cha, chi, pardon. Ch, che, chi, cha, chou. Chou, la vache, le chat, le cheval. Et à la fin, je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Je vous aime. Au revoir. Je vous aime.